la population est très satisfaite de ce qui a été fait comme reboisement. Au niveau du collège, de l'installation des clubs, aujourd'hui, si vous allez demander à nos apprenants, est-ce qu'ils sont là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle une pépinière. Donc, je pense qu'avec ce projet, ils ont appris aux enfants de faire la pépinière. Et avec des espèces, acajou, mélina, tout ça là. Donc, les enfants, tout le monde, ils étaient très fiers. Les enfants étaient organisés également pour faire des sketchs par rapport à ça, pour sensibiliser aussi la population pour la sauvegarde de notre milieu naturel. Après ça, il y a le volet foyer aménagé. Je pense qu'aujourd'hui, le plus grand bénéfice que nous avons, c'est la diminution de l'utilisation des bois. Parce que le besoin est là, il faut utiliser du charbon pour le feu. Maintenant, avec ce projet de foyer aménagé, on nous a permis d'utiliser un peu de bois pour faire beaucoup de choses. Même Macro là-bas aujourd'hui, si tu es allé là-bas, c'est comme Barras, tout dans le marais. Depuis là, en l'air là, si tu es allé là-bas, tu ne peux pas voir l'eau. Mais en l'air là, si tu es allé là-bas, tu ne peux pas traverser la rivière. Il faut dire que dans les années antérieures, quand tu venais ici, il n'avait pas du tout de l'humidité. Tout était sèche. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a de l'eau, tout est humide et on ne peut même pas traverser la rivière. Vous voyez, il y a de l'eau. On est obligé de rester de loin pour observer. Avant, tu ne peux pas ici voir le bœuf. Mais maintenant, l'étranger avec toutes les communes, ils sont venus côté d'ici à cause de l'eau là. Souvent beaucoup les femmes ils gagnent l'argent à cause de l'eau. Ils font fromage, ils boivent lait. Il faut dire que le travail avec les bénéficiaires s'est fait de façon participative. Chaque fois que nous voulons intervenir, on mène des séances avec ces communautés. Et on fait des sensibilisations. C'est à base de ces séances, à base de ces sensibilisations que la communauté a compris l'enjeu de ce que nous voulons faire, l'enjeu de ce que nous avons fait. Vu tout ça, je crois que les bénéficiaires sont vraiment heureux. Cet acte-là a été pris pour la sécurisation de la tête du bassin de la Mekuru. Maintenant, la mise en œuvre, comment est-ce que ça s'est fait, en partenariat avec la mairie, on a eu à mener des sensibilisations pour expliquer l'enjeu de la prise de cet acte. Maintenant, au vu de ces sensibilisations, nous avons constaté que en fait, le déboisement a pris un peu un coup puisqu'on n'a plus la coupure des bois, on n'a plus l'ensablement du cours d'eau. Donc ça fait qu'avec l'acte, la communauté a compris, les riverains aussi ont compris. Et puis maintenant, ça passe comme de l'eau qui coule et puis tout le monde a compris et puis ça va maintenant. Aujourd'hui, on voit que l'eau coule. C'est vraiment un acquis important pour nous. Et vous aurez constaté tout à l'heure qu'il y a une régénérescence du couvert végétal. Parce que tout au début au niveau, et avant la mise en œuvre de l'initiative, on a constaté que tout était, tout cet espace-là servait de champ pour les usagers. Mais aujourd'hui, on a eu à sensibiliser la population et ils ont compris la nécessité de contribuer à restaurer cette rivière, à restaurer les écosystèmes au niveau de la terre de ressources. On a eu à sensibiliser certains agriculteurs qui ont abandonné leur terre au profit des plants d'anacardier. Au début du processus, effectivement, j'avais fait un tour dans la localité
et rien de tout ça n'était là. Mais aujourd'hui, on voit que les champs ont été abandonnés au profit de la végétation pour protéger la ressource en eau. Aujourd'hui, nous avons l'eau et les populations eux-mêmes ont témoigné que l'eau est utilisée actuellement pour des activités socio-économiques dans la localité. Donc, je crois que c'est une très grande satisfaction. Avec le peu de moyens dont nous avons bénéficié, nous avons pu obtenir ces résultats-là. Donc, c'est vraiment une fierté. Nous allons travailler pour suivre avec pas seulement cette localité, mais travailler dans d'autres localités pour atteindre des objectifs pareils. Parce que les têtes de source de la Mekou ne sont pas seulement à Yakabissi, il y a d'autres localités également où ce problème se pose avec acuité.